Salam alaikum, Hicham Bourak pour l'Algérie 2.0 Summit. Je remercie les organisateurs, Karim Mbarak et toute leur équipe, pour l'organisation de cet événement qui fera date et qui fait écho un an après le plus grand hackathon, le plus grand concours d'innovation que l'Algérie ait connu, donc le Hack Algérien. Donc je me présente, Hicham Bourak. Je suis le président de Zoomaniza, une plateforme, une association qui est de collectif qui réunit des écosystèmes et qui participe à des projets innovants dans les domaines de la e-santé, de la smart city, de la green city, en Afrique, en Algérie en particulier, en Europe et en Haïti depuis peu. Donc, je vais vous faire une présentation sur le modèle « To start, to scale ». Lorsque vous avez une idée, que vous souhaitez entreprendre et que vous souhaitez avancer et pérenniser votre activité. Donc, il y a deux notions que je vais vous présenter, que vous connaissez certainement déjà, qui sont importantes. Et au-delà des notions, il y a ce qui va par-delà les mots. Donc, la start-up et la scale-up. La start-up est un modèle d'échec. 90% des startups échouent à échéance 5 ans. Maintenant, lorsqu'on a cette donnée-là, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Ou on abandonne et on fait partie de ceux qui baissent la tête, ou alors on regarde de plus près. 90%, c'est comme un mur. Il y a 10%, c'est un espace. Comment être suffisamment agile pour passer dans cet espace et aller au-delà ? Pour s'ouvrir dans un autre. Pour découvrir un monde où tout est possible. Le taoufik, bien sûr, toujours. Donc là, entreprendre une nouvelle technologie, start-up, scale-up, du mirage au modèle. Donc de l'idée au concept. Lorsque vous êtes dans le cadre d'un hackathon, ou bien lorsque vous voulez entreprendre dès le départ, dans vos études à l'université, au lycée, dans votre entreprise, chez vous, dans un café, discuter avec des amis, vous voulez m'entreprendre, vous cherchez une idée, vous la trouvez ou elle vient à vous. Cette idée-là, vous allez la challenger. Il faut la challenger. Vous allez réfléchir, voir ce qui est pertinent, compétent, qu'est-ce qui va amener quelque chose de concret. Lorsque vous trouvez une bonne idée, après, il faut la transformer en concept. Quel est le concept qu'elle apporte? Quels sont les services qu'elle pourrait apporter? Quelles sont les solutions qu'elle peut amener? À quels besoins elle pourra répondre? Et à qui elle s'adresse? Donc, vous allez de l'idée jusqu'au concept. Et la fameuse preuve de concept, proof of concept, le POC, la POC. La preuve de concept et un échelon, une étape fondamentale dans la vie d'une entreprise. Une start-up, encore une fois, start, c'est pour commencer. C'est comme un bébé oiseau qui veut apprendre à voler. Il veut apprendre à voler, mais il ne sait pas encore voler, il tremble de partout. Jusqu'à ce moment-là, il est très, très, très fragile lorsqu'il est bébé oiseau. Très, très fragile. S'alimenter tout seul, c'est impossible. Il a beaucoup de mal. Il cherche à apprendre à voler d'abord. Et pour pouvoir devenir un aigle et pouvoir planer dans les plus hautes cimes et être au sommet de la chaîne alimentaire, entre guillemets, et pouvoir être totalement autonome et pouvoir avoir ces moments où il est de plénitude et admirer le panorama, avant cela, il y a toutes des étapes. Et ça, c'est la maturation de votre écosystème et de votre business model. Dépasser la stade de start-up. Start-up, vous devez dépasser ce stade de start-up le plus vite possible. Votre modèle, c'est être une entreprise à croissance rapide et durable. C'est ce que vos clients recherchent, ce que vos utilisateurs recherchent, ce que les investisseurs potentiels recherchent, ce que le marché demande et ce que vous devez apporter et rechercher en priorité. Donc, amener cette preuve de concept, ce concept-là, c'est avoir une idée. L'idée, comme l'a eu une personne il y a bien des années,
La roue. Cette idée extraordinaire qui s'est transformée en concept, qui a permis de transporter des produits agricoles, de l'alimentaire, des personnes, la roue de la charrue, la roue pour les diligences, la roue pour transporter les personnes, les voitures, avec les chevaux d'abord, puis les voitures moteurs. Mais avant cela déjà, la roue a eu bien des utilisations. Donc ça, ce sont des concepts qui ont été transformés et qui ont pu prouver ce que nous allons voir maintenant, la valeur, leur valeur. La recherche de la problématique, du concept à la preuve de valeur, proof of value, la preuve de valeur, ben là, à l'eau, jusqu'à, encore une fois, l'agriculture, et également l'automobile, toute une autre industrie qui a été inventée par le biais de la roue, entre guillemets, l'horlogerie, les montres, également, énormément, sans parler des concepts, ce que la roue a apporté en termes de philosophie, d'art, de credo technologique également, de logique, de physique, tout ce que ça a pu révolutionner, même également la démarche du yin et du yang, tout ça. Toutes ces démarches-là, cette preuve de valeur, la roue l'a démontré. La roue a démontré sa preuve de valeur et a prouvé qu'elle avait plus d'une utilité. Et ce sont des modèles qui se sont déployés à grande échelle et qui ont donc prouvé leur valeur monétisable. Chacun de ces systèmes-là a apporté de la richesse et a eu un impact considérable en termes d'usage. Une preuve de valeur doit être monétisable pour pérenniser le business model, pour pérenniser l'activité. Sans cela, sans cette logique-là, que ce soit un projet humanitaire, un projet associatif ou un projet business, il faut avoir une logique pour pérenniser l'activité. Et l'un des éléments fondamentaux, de cette problématique, c'est la monétisation de l'activité pour pouvoir pérenniser, payer les ressources, investir là où il faut investir et être autonome en termes de gouvernance pour continuer à diriger son projet, son écosystème de la manière que l'on veut, en adéquation avec nos valeurs, qu'elles soient humaines, managérielles et technologiques. Donc lorsqu'on arrive à la preuve de valeur monétisable, c'est qu'on a, on est en train de sortir du stade de la phase de start-up. Mais encore faut-il la challenger et aller vers ce marché. Et tout ça, ça doit se faire dans un temps assez rapide. Donc, que devons-nous faire au départ? Bien sûr, savoir identifier le marché dans lequel on souhaite s'exprimer, se démarquer et s'épanouir. Également, détecter, évaluer et étudier la concurrence. Donc, connaître son marché, la concurrence, donc via un benchmark permanent. Donc, ce sont deux des piliers que toute entreprise doit avoir en tête si elle souhaite se positionner durablement. Donc, bien sûr, il faut tout d'abord identifier ses concurrents, bien les identifier, selon des critères précis qui sont pour nous prioritaires. Un benchmark, une veille concurrentielle, selon des thématiques et des segments stratégiques, chiffre d'affaires, est-ce que les thématiques, est-ce que c'est la même activité? Une application mobile pour détecter, pour les livraisons rapides, une application mobile ou une solution de télémédecine, de e-santé, une solution d'agriculture technologique, une fintech. Quel est le segment? Dans la fintech, il y a énormément d'applications et d'usages. Quels sont les usages sur lesquels j'ai des concurrents? Sur le marché local, donc en Algérie, mais également régional, Maghreb, Afrique ou international. Il faut faire tout ça. Il faut étudier. Parce que par moment, l'innovation, on va se positionner sur certains marchés, certaines innovations ont déjà été appliquées dans d'autres régions du monde. Vous avez un retour d'expérience très, très important. Vous pouvez en bénéficier. C'est aussi du R&D. En les étudiant, ces concurrents-là, vous allez pouvoir,
en bénéficier. Donc, c'est très important de faire un benchmark de qualité et ne pas le bâcler. Donc, il faut évaluer le meilleur des concurrents et le scanner de A à Z et en diagonale, de travers, en profondeur. Vraiment le scanner, scanner, scanner. Et vous allez évaluer votre entreprise et votre offre de service selon, en comparant avec la maturité de l'écosystème et de l'offre de service du meilleur de vos concurrents. Pour pouvoir voir comment vous pouvez baser votre stratégie, votre approche, quels sont les leviers que vous pouvez utiliser, quels sont les freins sur lesquels vous devez agir pour gagner en vitesse et en efficacité. Après, il faut se comparer au meilleur, mais de manière encore une fois pragmatique, rationnelle. Il ne faut pas être trop optimiste, ni trop pessimiste. Il faut avoir une vue juste des choses. Il faut avoir le sang froid, le cœur chaud et le sang froid. Visualisez les écarts, le gap qu'il y a entre vous et les meilleurs pour mieux décider de votre approche stratégique, de manière opérationnelle, avec une feuille de route réalisable. Visualisez une échelle avec des espaces courts et non pas des espaces trop larges. Beaucoup de jalons pour pouvoir aller vite et loin. Les petites étapes vous emmèneront loin. L'échelle doit être très longue, mais les jalons doivent être nombreux pour pouvoir aller vite et être agile. Puis, choisissez bien là où vous allez poser votre échelle pour bien évaluer et décider de quel obstacle vous allez dépasser en priorité. Quels sont les obstacles que vous allez dépasser en priorité. Donc, vous après, point 7, extrêmement important. Pensez au client. Focus client. Les usages à la place du client. Mais dès le début, dès le départ. Ne venez pas avec une approche trop technologique. Ma solution est super innovante, ils vont tous sauter dessus. Non. Challengez-la en faisant des sondages avec des amis, la famille, et puis au fur et à mesure, à grande échelle, avec des gens, des personnes qui peuvent être des clients potentiels. Si vous adressez à l'agroalimentaire, en termes d'innovation, après avoir fait le cercle testé avec votre entourage, vous allez le tester avec des acteurs de la distribution, des professionnels du secteur, quels qu'ils soient, pour pouvoir challenger, critiquer votre solution, votre plateforme, pour pouvoir l'adapter si besoin est et avoir les réponses qui vont avec. Des réponses concrètes. Ne fuyez pas les questions et les critiques. Assumez-les. Assumez-les. Puis en 8, mise en œuvre en mode collaboratif. Le côté collaboratif, c'est l'esprit d'équipe, entre autres. Mettre en avant l'écosystème que vous avez. L'écosystème de vos ressources internes, de vos équipes, de vos associés, de vos partenaires, de vos cadres, de vos associés, encore une fois, mais également de vos employés, des membres de votre équipe, mais également de vos clients, de vos partenaires, pour récupérer le maximum d'input, de feedback, pour pouvoir avancer et pouvoir avoir une réponse qui correspond aux besoins du client, et en permanence, et également avoir un esprit communauté, équipe, environnement, qui va permettre de fidéliser tout cet environnement à ce monde, ses clients. Ce qui va permettre d'avoir également des retours de qualité. Et encore une fois, c'est une dimension de R&D. Cette partie-là vous servira énormément pour votre R&D, puisque vous allez avoir des retours du terrain qualitatifs, en mode lab. Et ça, c'est très important. C'est comme un projet pilote qui s'auto-alimente, en mode itératif. Vous êtes en ligne, en perpétuelle amélioration. Et donc là aussi, il est extrêmement important de pouvoir cadrer tout ça, d'évaluer tout ça. Et là, il faut mesurer la progression avec des indicateurs précis. Très, 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 très important. Donc là, vous le voyez là sur le tableau bleu, le cycle de vie du marché. Donc au départ, vous êtes au départ, donc au démarrage, donc la start-up, vos motivations, c'est nos motivations, c'est quoi? C'est satisfaire les besoins des utilisateurs, se différencier de la concurrence sur le marché qu'on a ciblé. Là-dessus, donc, on a un nouveau marché, puisqu'on apporte une innovation, on est sur un secteur niche, potentiellement. Notre type d'innovation, c'est une innovation de rupture, donc la disruption, une innovation de produits, de services, on est dessus. Mais on est fragile. Après, lorsqu'on travaille à fond, on travaille bien avec Bel Taoufik et avec l'aide d'Allah, on arrive à la croissance.
OK. On arrive à la croissance. Pour conquérir donc de nouveaux clients, des parts de marché, améliorer le coût, la qualité, et donc réduire bien sûr le prix pour être le plus compétitif possible. On a étendu le marché, donc on est sur un marché de masse. Notre innovation, elle est incrémentale, plus spécifique, sur un produit, un service. Une innovation de rupture, la disruption, elle va être plus intéressée sur certains procédés. On est sur une nouvelle granularité à ce niveau-là, sur une nouvelle segmentation plus précise. Donc on se développe, la croissance est rapide. Et on continue sur cette croissance-là. Et on arrive au niveau de la maturité. Là, on est censé être donc une scale-up. Au niveau de la maturité, on a toujours une croissance rapide. Elle a duré depuis un moment. On améliore la façon de commercialiser et de réduire le coût des produits standardisés. On peut créer une évolution sur ces produits-là, trouver des nouveaux sous-produits, entre guillemets. Mais le marché arrive à saturation. On a toujours de la croissance, mais ça commence à être tendu. On a une innovation qui est toujours incrémentale sur le procédé, donc encore plus spécifique. Donc, on a de plus en plus de mal à innover, parce qu'on a fait le tour. Et on va valoriser la communication, le packaging, l'aspect cosmétique du produit ou du service. Donc, on a toujours de la croissance. Bon, on risque d'arriver à un plafond. Pour éviter ce plafond, ce déclin, on doit avoir une transition vers une nouvelle catégorie d'offres, se protéger et réorienter vers un nouveau type de marché, se réinventer. Et ça, en étant en contact justement avec les clients, avec notre communauté, les partenaires, les usagers, les associés, les autorités, les gens qui pensent au réglementaire, qui réfléchissent et qui décident du réglementaire, on peut s'orienter sur un nouveau marché. Et là, avec cette innovation de rupture, on repart sur un démarrage. Sauf qu'on a bien sûr un socle, un historique, une base financière et structurelle beaucoup plus forte. Et donc, on n'est plus une start-up, on est une entreprise qui scale et un scaleur qui est toujours en perpétuelle évolution. Sur cette approche-là, nous avons parlé des usages. Il est crucial d'avoir une approche usage, UX et UI, usage in-design. Dès la conception, de manière transversale, ça doit toucher absolument tous les segments de votre offre. Donc, quelles sont les cibles et comment construire une communauté fidèle, UX, UI, une vision, une stratégie UX, UI, et le ying et le yang du développement et de la fidélisation de votre communauté. L'UX, c'est une interface, une ergonomie d'un site ou d'une plateforme numérique, d'un site internet, d'une plateforme d'e-commerce, une application mobile, une plateforme de télémédecine qui soit agréable pour l'utilisateur, l'usager, le client, ou le médecin qui va l'utiliser, ou le commerçant, ou la cliente, le client, l'étudiant pour le e-learning. Que ce soit agréable, que ce soit simple, et qu'on puisse communiquer, qu'on puisse avoir la possibilité d'être connecté à la bonne personne très rapidement. Le nombre de clics est important. Les couleurs sont importantes. L'agencement et également le fait qu'il y ait un bot, une intelligence artificielle qui pourrait également orienter justement la plateforme selon les besoins que nous avons, bien entendu toujours en respectant la privacy, donc la vie privée des utilisateurs, c'est très très important. Être en phase avec la réglementation en termes de protection des données algériennes et lorsqu'on se projette sur la partie africaine des pays africains concernés et sur l'Europe avec le RGPD, etc., ou les États-Unis avec le Privacy Shield, etc., avec l'asile équivalent, tout ça, c'est très très important dans la démarche UX utilisateur parce que c'est comprendre, ce n'est pas que de la technologie l'UX, c'est aussi l'ergonomie des usages, c'est aussi les sciences neurocognitives. L'un de mes associés, un des cofondateurs de Zoomanisa et le fondateur de UX Africa, est un spécialiste des sciences neurocognitives, un ergonome des usages et bien sûr un expert de l'UX. Donc tout ça, c'est très important. L'UX touche absolument tous les secteurs, la santé, l'industriel, la défense, le commerce, tous les secteurs sont touchés par l'UX. Mais il y a UX et UX, donc il faut vraiment aller vers les experts, ceux qui maîtrisent, pour que vous touchiez à l'esprit et aux bons outils pour pouvoir transformer et avoir les leviers nécessaires pour donner une nouvelle dimension à votre solution et à votre approche. L'UX, ce n'est pas que du web, ce n'est pas que du marketing ou du cosmétique par rapport à vos solutions. C'est une approche, une vision et un moteur. Pensez utilisateur. C'est une approche bottom-up
qui est à contrario de l'approche top-down qui était très très qui a dominé depuis le depuis 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 le début, depuis le démarrage depuis la nuit des temps, entre guillemets, l'approche top-down, la pyramide, le roi qui décide, le décideur, le dictateur, le président, le CEO, les technologues. Non, maintenant, on le voit et on a vu, hein, l'approche top-down, elle a été challengée depuis de tout temps également. Le bottom-up n'est pas venu, n'a pas débarqué depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, le bottom-up a également, en termes d'usage, on a des exemples depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Ce sont des modèles qui ont changé les choses, changé la donne. Magon, en termes d'agriculture, l'agriculteur de demain, Magon, qui est un Carthaginois, a révolutionné l'agriculture. Lorsque les Romains ont attaqué Carthage et qu'ils ont brûlé la bibliothèque de Carthage, le Sénat romain a expressément ordonné à l'armée romaine de ne pas de garder, de ramener tous les ouvrages de Magon, l'agronome de génie qui a révolutionné l'agriculture sur des siècles. C'est le père de l'agriculture de demain. Il partait sur les usages, encore une fois. Il avait une approche UX/UI bien avant l'heure. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc l'UX/UI, n'hésitez pas à vous vraiment vous y intéresser. Si vous n'êtes pas familier, ça va donner une nouvelle dimension à vos projets. Donc là, de la start-up à l'entreprise, comment s'assurer un levier pour une incubation efficiente? Donc, le monde merveilleux des start-up en quelques chiffres, comme je vous le disais tout à l'heure, le modèle de la start-up est un modèle d'échec. 90% des start-up échouent dans les 5 ans. Donc là, on a la possibilité de se baisser la tête ou d'avancer. 70% des échecs interviennent entre la deuxième et la cinquième année. La première explication, dans 42% des cas, c'est une mauvaise lecture du marché et de ses besoins. Le marché dans lequel vous vous inscrivez, la santé, l'agriculture, etc., il faut connaître les clés. Qui sont les décideurs? Quelle est la réglementation? Le cadre juridique? C'est très important. Quelles sont les tendances? Quels sont les acteurs internationaux? Les acteurs locaux? Quels sont les freins? Quels sont les codes? Les enjeux? Etc., etc. Dans le deuxième, 25% des cas, 29% des cas, excusez-moi, c'est dû à un problème de trésorerie de finances. La question budgétaire, c'est très important. Vous le savez. Il faut avoir un focus très professionnel là-dessus. Est-ce que j'ai les... Ayez des objectifs réalisables par rapport à votre feuille de route. Et chaque étape obtenue, chaque livrable doit pouvoir vous permettre d'atteindre une nouvelle étape qui permettra de financer l'étape suivante. Jusqu'à avoir un modèle suffisamment pérenne, avoir une marge suffisante pour pouvoir exploser et avoir une croissance rapide et durable. Encore une fois, le temps, c'est vous qui le contractez. Le temps, c'est relatif, comme disait Einstein. Et dans le monde de l'innovation, il est encore plus relatif. Le troisième point, 23% des cas, s'explique par la faiblesse de l'équipe dirigeante, les fondateurs. Soit l'équipe n'est pas assez complémentaire, soit on n'est qu'avec des amis et que ce n'est pas assez complémentaire, soit les gens sont compétents, mais il y a des personnes ou une personne toxique. Il faut vraiment avoir un management d'équipe très important. Également, vous pouvez avoir un leader technique sur la partie technique, je dis n'importe quoi, par exemple l'agritech, quelqu'un qui est le leader technique sur la partie agricole, pure agricole, agriculture, par rapport aux plants, les semences, etc. Ça va être lui le leader. C'est lui qui décidera par rapport à l'approche stratégique sur ça. Sur la partie agritech, technique encore une fois, mais sur la technologie, les data, l'application, les capteurs, l'IoT, etc., les drones, n'importe quoi, ça sera une autre personne. Sur la partie finance, ce sera une autre personne, par exemple. Et sur la partie managériale globale, une autre personne. Simplement, il faut qu'il y ait une intelligence, un leadership collaboratif et collectif qui soit mature, une convergence d'objectifs. Ce qu'on appelle, nous, la convergence augmentée. C'est quoi? C'est nous convergeons en termes de valeurs. Valeurs humaines, la confiance, la transparence, l'honnêteté, l'intégrité. Valeurs technologiques, la privacy, l'ethics by design, donc par rapport à la vie privée au niveau des datas. La gouvernance de la donnée, l'éthique, tout ça c'est important, la gouvernance éthique de la donnée, de l'IA par exemple également. Et les valeurs managériales. Encore une fois, la transparence, la confiance, la valorisation, la bienveillance, le lean. Tout ça apporte donc ce qu'on appelle la convergence augmentée. Avec cette convergence augmentée, vous avez une équipe. Un équipage qui est prêt à aller loin.
Si, apprendre, comme on dit, vous ne connaissez une personne que si vous avez, entre autres, voyagé avec elle. Et ça, c'est important. Et vous devez apprendre à prendre des décisions fortes. Si une personne est toxique pour le projet, ne pas hésiter à cordialement la sortir du projet. Quatrième point, quatrième raison qui explique les échecs des startups. 19% d'entre elles voient les startups succomber, donc enfin, c'est par rapport à la concurrence, un manque de compétitivité. Pourquoi? Ben, c'est lié au fait que la première raison, la première des explications, on n'a pas fait de benchmark, ou alors on l'a fait au début, on ne l'a pas fait après, ou alors on ne l'a pas fait suffisamment, ou on croit on est les seuls dans le monde à avoir fait, avoir créé telle innovation, ou alors on est les seuls en Algérie. Il faut vraiment étudier ça de manière spécifique et ne pas et de manière constante. Au début, la première phase, ça va être il va avoir beaucoup de travail sur le benchmark. Au fur et à mesure, ça sera juste une veille. Régulièrement, vous allez regarder en vous inscrivant sur les sites qu'il faut, en ayant sur les droites un acteur fort. Ben, il faut frapper fort au sol pour pouvoir sauter haut. L'impulsion est très importante, mais pour avoir une impulsion, il faut avoir une assise forte. Et pour cela, il y a tout un travail en termes de foncier, entre guillemets, si on peut se référer au monde du sport, ou en termes structurels. Là, vous voyez l'index Bloomberg de l'innovation 2020. Donc, c'est un classement. Il y a différents index qui classent les écosystèmes innovants dans le monde. Bon, les noms peuvent varier selon les classements, mais c'est toujours les mêmes qui se distinguent. L'Allemagne, pour le classement Bloomberg, est première. En 2019, ils étaient deuxième. La Corée du Sud, Singapour, la Suisse, la Suède, voilà, la Finlande, le Danemark, les États-Unis, le Japon, voilà, la Chine, l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Italie, etc., le Canada, la Slovénie, voilà. L'Estonie, hein, est un très bon exemple ça, également. Donc, un investissement fort dans la jeunesse avec le code et une révolution en termes de TIC qui est ICT qui est vraiment extraordinaire. Là, ce qu'on regarde, c'est que pour nous, pour le modèle qu'on va privilégier, ce qu'on souhaite, c'est des modèles qui ont explosé de manière rapide, dans un court laps de temps, en termes d'écosystème. Vous regardez la Corée du Sud, dans quelques décennies, c'est devenu une des plus grandes puissances mondiales. Et en termes de technologie, dans certains segments, c'est les leaders. Singapour, c'est pareil, mais l'exemple est encore plus frappant, puisque c'est une île-État, une ville-État. C'est un pays, c'est une île-État, mais c'est tout petit, Singapour. Néanmoins, ils ont créé un environnement, un cadre réglementaire qui est proactif et non pas réactif, et que sur certains segments, leur cadre réglementaire est créatif, en plus d'être proactif. Donc, ça leur permet d'avoir un temps d'avance. Bien entendu, ils ont d'autres problématiques, d'autres freins, parce que ils ont, en termes d'écosystème, ils doivent compléter leurs atouts, leurs leviers avec d'autres leviers qu'ils vont chercher ailleurs. Il n'y a aucun modèle qui est parfait. Mais ils ont un écosystème qui est proactif, qui est également agile. On a pu le voir dans leur cadre de leur gestion du Covid, où ils ont pu quand même se remettre en question par rapport à Trace Together, qui était une solution de contact tracing qui fonctionnait très bien, mais en ayant sous-estimé les travailleurs migrants qui n'étaient pas pris en compte et qui vivaient dans des dortoirs précaires où il y avait 5 sanitaires pour 100, 100, 100, 100, refus, 100, 100 migrants, il y a eu des clusters et 95% des nouveaux cas qui ont explosé, qui ont fait exploser le taux de cas Covid positifs à Singapour, 95% des cas venaient de ces dortoirs. Mais par contre, ils ont remis en question leur système, ils sont partis sur un autre système, utilisant le QR code et en étant plus volontaires, c'est-à-dire que les personnes étaient obligées d'avoir cette application pour pouvoir pénétrer les clusters potentiels type supermarché, etc., etc. Donc, ils ont su s'adapter et les critiques, c'est du challenge. Une critique est négative uniquement si on la laisse être négative. Si on la prend comme un enseignement, ça nous construit. C'est comme un échec. Un échec nous construit, c'est une expérience, tant qu'on n'abandonne pas. Le never give up mindset est très très important dans l'ADN et dans l'âme d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur. C'est très important la résilience créative et positive. On doit être têtu,
à ce niveau-là. Donc ça, c'est très important. Donc, Inch'Allah, dans quelques années, ou le plus tôt possible, l'Algérie sera dans les premiers, voire la première. On a des talents extraordinaires. L'un des papas du robot Curiosity qui est parti sur Mars est algérien. Si Belgacem Mahabba est un des plus grands inventeurs au monde, il est algérien. On en a des bons exemples, on a des grands exemples. En Algérie, à l'international, on en a des grands. Donc là, tout start, tout scale up et le, bien sûr le scaler. Donc c'est une phase, une croissance qu'on souhaite, qu'on vous souhaite à tous et à toutes. Mais ça va vous demander de l'abnégation, du travail, un dévouement et une remise en question permanente. Et gardez toujours un esprit positif, souriez, amusez-vous. C'est très important. Donc de la start-up à l'entreprise scale-up, comment accélérer, définir un modèle de croissance rapide et durable. Pour cela, il faut avoir un équilibre, une homogénéité. C'est-à-dire que plusieurs dimensions sont interconnectées. Elles sont interopérables, elles communiquent entre elles. L'interopérabilité est une dimension cruciale dans le monde innovant qui nous concerne, en termes technologiques, mais également en termes d'usage et d'écosystème. La vision nourrit le concept, qui nourrit la recherche, qui est nourrie également par la créativité. L'idée qui est là au départ, qui est l'étincelle. L'innovation qui est toujours là, de manière transversale. La planification, la stratégie, la technologie. Tout ça s'agit en permanence. Et ça nourrit le mécanisme de votre projet pour lui donner une puissance et un impact et un punch qui permettent de faire la différence. Et là, vous avez une pyramide, justement, The Startup to Scale Up Roadmap, qui est une sorte de feuille de route. Donc, vous avez donc à la base entre 0 et 10 clients fournisseurs. Puis à 11,